Ce samedi 10 décembre 2022, France 2 diffusait un nouveau numéro de l'émission Quelle époque. Christophe de Chavannes se retrouvait assis à côté de Philippine Leroy-Beaulieu, venue présenter la nouvelle saison d'Emily in Paris. Et il semblerait que le charme de l'actrice ait opéré sur l'acolyte de Léa Salamé. Christophe de Chavannes a l'air d'être un cœur d'artichaut. Depuis la rentrée septembre 2022, il officie aux côtés de Léa Salamé dans l'émission Quelle époque, diffusée en deuxième partie de soirée le samedi soir, case emblématique occupée pendant plus de 16 ans par Laurent Ruquier. Mais alors que ce dernier a décidé de quitter le navire le 3 juillet dernier, la journaliste de France Inter a décidé de recruter Christophe de Chavannes comme nouveau copilote. Une collaboration qui semble parfaitement fonctionner, malgré des débuts compliqués. Après que la compagne de Raphaël Glucksmann a soumis son nom au producteur, elle a décidé de le rencontrer. Sur la liste de mon producteur il y avait, Christophe, de Chavannes, et évidemment de Chavannes sur la mienne. Moi j'étais fan, je le regardais dans les années 90. J'ai grandi avec lui, a-t-elle confié sur le plateau de Touche pas à mon poste le 22 septembre dernier. Malheureusement, le père de Ninon est arrivé avec 2 heures de retard, on avait rendez-vous. On s'est vu début juillet. Il a débarqué avec une demi-heure de retard. Il venait de sa campagne en short, en basket. Quand je dis une demi-heure, si est-il pour être poli avec toi. Il est arrivé avec 2 heures de retard. Il tombe amoureux. Si est-il sûr, je vous l'avais dit, un beau projet qui aurait pu lui passer sous le nez. Fort heureusement, il a fait quelques blagues à Léa Salamé, qui est tout de suite tombé sous son charme. Et tombé sous le charme, il semblerait que cela soit parfois le thème de l'émission. Léa Salamé et Christophe de Chavannes reçoivent tous les samedis soirs pléthore d'invités, et parfois, l'animateur peine à cacher son intimidation. Le 6 novembre 2022, CIST face à Monica Bellucci qu'il perd des pieds. Ce samedi 10 décembre 2022, CIST Philippine Leroy-Beaulieu, actrice de la série Emily in Paris qui lui a fait perdre tous ses moyens. Alors qu'elle parlait de sa carrière en Berne, elle a confié qu'elle a pensé aller s'installer à la campagne pour planter des choux. Une déclaration qui a fait réagir Christophe de Chavannes, « J'ai une très jolie maison » commence-t-il par déclarer, avant de revenir sur ses propos, « Je ne sais pas pourquoi je dis ça. » Un moment suspendu qui a amusé Léa Salamé, « Ah, il la drague. Est-ce que si est-il possible ?» Rapidement, Christophe de Chavannes a tenu à mettre les choses au clair, « Non mais on se connaît, on s'est connu il y a très longtemps. » Mais on ne la fait pas à la journaliste qui commence à connaître son binôme qui n'arrive qu'à balbutier quelques mots devant son invité, il tombe amoureux. Si est-il sûr, je vous l'avais dit. Vous draguez, allez-y, ce qui n'a pas manqué de mettre mal à l'aise Christophe de Chavannes, complètement perturbé, non mais pas du tout. Je ne me permettrai pas. Elle est sublime, mais oui, je ne me permettrai pas point parce que j'imagine que vous êtes marié point que vous êtes installé point en compagnonnage. Une question à laquelle Philippine Leroy-Beaulieu n'a pas souhaité répondre, je ne parle jamais de ma vie privée. Voilà qui est dit.